Je compare ça vachement souvent, Escape from Tarkov, à la sodomie. Suis-tu le vrai, t'en penses quoi? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah bah franchement, ouais, tu t'en chies, hein. Au début, sur Tarkov, t'en chies quand même. Ah, au début, c'est compliqué, Mais ouais. si t'es bien accompagné, voilà. Avec, Ouais, avec, ça de, va. avec de la Ça vaseline va. 10 sur 10, c'est bon. Ça passe Exact. mieux. Ça passe et ça glisse. Alright, I've got to show you guys. I'm in Pro League. Ce que je fais généralement quand je spawn ici, c'est que je prends les rochers et je prends directement les mecs qui spawnent en contrebas dans la Core Factory. Et ça laisse une fenêtre de. Une minute, une bonne minute pour prendre les pics ici avant que ça puisse arriver autour de nous. Et j'ai un scav en contrebas dans la cour. Je vais le laisser tranquille. Pour nous alerter s'ils voient un mec en plus. Ok, du coup. En dessous, ça nous a vu, je crois. Ça Je nous sais a vu pas en où. contrebas, ouais. Dans la station, je pense. Dans la station, il Ah, décale. ouais. Devant Dans la la station, citerne, mort. ouais. Ok, venez avec moi, on va se diriger vers la station Je crois qu'il est tranquillement. mort. Hein. En dessous. Il y en a un dans les bushs devant moi. Ah là. Il est mort derrière moi. Nice. Ouais. Pour moi, c'était l'extrémité gauche. En fait, c'était juste le contrebas de là où nous on a spawn. En bas de la route. Donc là, il faut longer et aller tout là-bas pour avoir moins d'angle ouvert. Ok, À 12h, je mais 12h. vois. Il part à Allez, droite, gauche il part pour à les gars. droite. Oh, what? Ok. Il tire à quoi lui? Un mort en bas, un mort en T'es bas. mort celui-ci? Ouais, j'ai pris une balle plein casque. Encore un. Il est où? Encore un. Je suis blessé. Il est en contrebas au niveau des poubelles à gauche. Je grenade? Près de la route, je crois. Il s'est allongé sur la route. Je vois pas poulet. Ça je vois pas putain. Ah je suis mort. Ah. Ils sont encore deux et ils sont un peu plus bas. Ouais ouais je vois. La route, à la base de la route. Je les ai charcutés quand même. Ah non, là je suis tombé. Là c'est juste l'arme qui fait la diff. Sa décale elle est complètement pourrie, mais quand le mec peut envoyer un spray et que ça tire tout droit et que je suis obligé de mettre du single fire, bam 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 bam. Ah, intéressant, y'a personne dans le tech light pour l'instant. Personne. Personne. Je vois absolument rien au fond. Je vois absolument rien, je regarde les six. Y'a rien. Ici il va falloir faire attention au couloir à droite. Ok. Je vais prendre de l'espace dans le magasin. Je regarde tout au fond, y'a rien du tout. Ouais. C'est assez calme, il peut y avoir une grosse team. Il peut y avoir des mecs qui traînent à l'extérieur aussi. Ambiance pesante. Le truc qui est, c'est que quand t'es un vendredi soir comme ça et que c'est calme, genre autant calme, tu peux te dire c'est calme et il va rien se passer. Tu sais pertinemment, quand tu connais un petit peu le jeu, qu'il peut y avoir une grosse team quelque part et ça peut très vite dégénérer. Disons que ça peut être un peu le calme avant la tempête. Pas normal. T'as pas sur un serveur vide au moins. Non, non, on est sur les mêmes serveurs que Customs. Et un vendredi soir comme ça, c'est sûr qu'il y a des gens. Bon, on va aller chercher qui là. Hein. Faut pas se casser le cul. On va aller chercher qui là et après on va aller faire l'armurerie. Ça, le détail des pas sur le verre aussi, c'est. Ouais, non, mais le son dans le jeu, il est. Ouais, il est ouf. Il est incroyable, hein. Bah ils se sont rendu compte que dans certains jeux, vraiment le son c'était ce qui faisait l'immersion quoi. C'est Electronic ouais, Arts qui a été les premiers à les comprendre, c'est dans les Medal of Honor, dans les Call of Duty, mais dans les Battlefield, enfin franchement les Battlefield... Ouais, c'est bien Battlefield quand même. Battlefield les sons étaient ouf quoi.
Attendez, suite, suite, les gars. Contact à gauche. Ouais, j'entends, j'entends. Là où le cadavre arrive. Là où il y avait le cadavre. Il passe, il passe, il est juste en face de la sortie de la porte. Mort. Nice. Ouais, c'est un scav. C'est un scav joueur, je crois. Il avait pris... Non, je pense pas. Ça me surprend quand même hein, qu'il... Que ce soit aussi calme là, et qu'il y ait un mec qui là, qui soit barré. Ok, au-dessus de la retombe, les gars. Au-dessus de la retombe. Regardez-moi, à mes 12h. Ok, ouais. À mes 12h, au-dessus de la retombe. Et derrière moi aussi. Je vois pas, mec. Tu peux tirer. Isolez-vous, isolez-vous. Ok, je vois. Il est clairement là-haut. Hein. Je me fais défoncer. Isolez-vous, les gars. Retourne, retourne. Il y en avait un autre derrière nous, ça que tu disais. Ouais, il y a un crossfire, ouais. Moi, je me suis fait tirer dessus par là. Il y en a en haut, toujours, en haut. Tu le vois, il est à droite en haut? Ouais, il est en haut à droite. Je suis blessé. Okay. Je suis mal allongé. Oula. Ok. À mes 12h, les gars. À l'opposé. Ouais, exactement. À l'opposé du premier. Je me sais, MS. En plein milieu, là, mais je suis caché. Au niveau du carrefour, juste au-dessus des escalators. À mes 12h. Là, je regarde dans sa direction. Si vous voulez me voir à travers la vitre. À mes 12h, juste là. Ok. Il est en haut. Touché deux fois. Touché deux fois. Une fois dans la tête. Il a un HP. T'es mort? Ouais. T'es... T'as couru, c'est t'as couru? Oui, oui, je cours. Je cours, Alex, t'es. Il t'a eu, là? Non. Non, Susu est mort. Si, 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 moi je suis mort, ouais. Sérieux, il t'a eu? What? Ouais. Putain, en plus j'ai une tête. Et je t'ai tiré dessus, en plus, poulet, vu que t'as couru. Y'en a un autre, gros. Je le vois en haut, je le vois. Je vois que ça bouge. Il part plus sur la gauche, j'ai l'impression. 6-4, t'es toujours dans le magasin? Ouais, je suis toujours dans le magasin, poulet. Mais je pense qu'ils se sont relocalisés au-dessus de notre tête, en fait. Au-dessus du magasin, au-dessus de l'armurerie, je crois rien. Scavodio à gauche, je sais pas d'où... Ouais, il est au gauche à nos F. Ah, grenade ? C'est toi ? Non. T'as vu la direction ? Non, pas du tout. Dommage. J'ai plus de greux, moi. Je vais me repositionner. Peut-être qu'ils sont descendus, hein. T'es où ? T'es dans l'armurerie ? Je suis toujours dans Kiba. Ils peuvent pas te rush, de toute façon j'ai ton rush. Sache que les vitres comme ça, ça absorbe un petit peu, mais si t'insistes... Un peu quoi, ça défend. Ah bon? Ok. Ça, ouais, ça absorbe juste un peu quoi. Et il met du temps à jouer hein, ces mecs. J'ai envie de faire un move, mais ça implique que je te laisse et que je te bait. Faire le truc, tour et le backstab par la hauteur. Ou alors je peux garder ton rush et on est patient. Soyons patients. Ok. C'est dur à jouer à la thermique, je trouve. Hein. Putain. C'est bien ouais, différent. Moi j'aime pas. Oh. Thermique, j'aime pas, ouais. Franchement, je suis pas. Je suis sûr que j'aurais pu faire le kill tout à l'heure. Ouais, grave. Ouais, c'est ça. Mais au moins, t'as vu. Au moins, tu vois un petit peu. Ça se joue. Et... Par contre, pour scout, t'as vu, c'est bien. Hein. Ouais, c'est sympa. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont au-dessus de ma tête là. Parce que j'ai vu un truc partir sur la gauche. Écoute, franchement, je vois rien. Au niveau d'au-dessus de l'armurerie. Ah mais là de toute façon ils nous attendent complètement donc T'es mort où Susu à l'extérieur? Il est sorti à la porte de Kiba. À la porte de la Kiba ouais. Et la grenade ce qui est chelou c'est qu'elle a tapé. Elle a tapé en face quoi. Ok ok ok, au-dessus de l'armurerie. Au-dessus de l'armurerie y'a un mec. Au-dessus de moi donc du coup. Ouais juste au-dessus de toi. Ah bah c'est celui qui a fait tout le tour ce que je te disais. Putain il me joue même pas alors j'ai pas d'armure. Toi, t'es où, toi? Moi, je suis à sa gueule, Scavodio, ça doit être eux. C'est d'autres mecs. Ouais, mais ça tire... Putain, ouais, difficile à dire. C'est des Scavjoueurs qui se fight. T'inquiète, c'est des Scavjoueurs qui se fight, mais... T'as rien à voir avec notre fight. Le tout, après, c'est de savoir... Pour moi, ils sont deux, en fait. Je pense aussi, hein. J'ai un doute, mais je crois qu'ils sont encore deux, c'est ça, le souci. Donc, pour moi, il y en a un qui a ta ligne, et il y a celui au-dessus de toi, aussi. Au-dessus de l'armurerie. Ah, si je me décale sur le corps de Susu, le mec ne retire pas quoi. Ah, je suis mort. T'es ils sérieux? Ils sont tous en haut, mec. Ouais, encore ah, j'en ai vu un au-dessus. Ah, mec, c'est terrible, ils jouent leur vie. C'est dur. J'ai quoi comme extract? Nous on a spawn plus t'as l'extract nord, côté là où il y a le train, etc.
On a spawn vers le sud. Hein. Ça va être mort. Oh, il me campe. Tu t'en sors? Oh attends, j'ai un mec juste au contact qui vient jouer là. Ok. Les balles ça passe à travers, t'es sûr ou pas? Ouais, mais insiste. Si vraiment okay. Tu veux le fumer, insiste. Ok. Par où est-ce que je peux repartir, Furlex? Tu prends à gauche. À gauche. Alors, tu prends au niveau de... Tu vois le camion, la sorte de gros GBC là, sur la gauche, vers ouais, les cartons. Ouais. Tu prends ce magasin là, ok? Tu ressors au fond du magasin. Et après tu vas avoir une grosse entrée avec des vitres. Tu vas passer par là et tu vas aller jusqu'au train, sortie nord. Ok. Donc là tu es au fond à droite du magasin. Ok, on joue à Crash. On joue à Crash? Ouais. Sans déconner. Je te jure. Ça arrive ça? What the fuck? Ça m'arrive jamais.